Sweet comic Valentine. My comic Valentine. Sweet comic. Sweet comic. Sweet comic. Sweet comic. Sweet comic. It's your. Youm, le concept de Youm, c'est que c'est une marque qui se veut tunisienne, offrant un style tunisien nouveau, contemporain, métissé, mélangeant les genres, les univers, les influences. Et c'est une marque qui nous ressemble, c'est une marque qu'on a créée à deux, Youm El Amra, comme Maraïs Daclair, le maréchal, et donc mon associé. Donc c'est une marque qui est tunisienne avant tout, mais tunisienne curieuse, ouverte, métissée, mélangée. L'idée de fonder Youm est venue quand j'étais à l'étranger, où en fait j'ai fait mes études et j'ai commencé ma carrière dans la communication à Paris, où j'ai rencontré Claire, qui est aujourd'hui mon associée et aussi ma femme. On s'est rendu compte qu'il y avait la place en Tunisie pour une marque qui offre un style nouveau, moderne, qui soit une vraie marque de créateur et qui ait un peu un pied en Tunisie, un pied hors de Tunisie. Et finalement, être fidèle à l'image de la Tunisie, plurielle, diverse, fière de ses origines, mais aussi tournée vers l'extérieur, vers l'avenir. Et c'est en ça que c'est une marque qui est un peu le reflet de notre parcours et de qui on est. C'est un mélange de folie et de raison. La folie, c'était un vrai changement de carrière, un vrai changement de vie qu'on a fait. Référence en famille, tout à coup on a pris tout le monde, on a retraversé la Méditerranée, mais c'est aussi de la raison. C'est un vrai projet d'entreprise qui a été mûrement réfléchi. Il y a eu des business plans qui ont été faits, il y a eu des rentabilités qui ont été étudiées. Donc c'était à la fois la conviction de tenir quelque chose qui se tenait d'un point de vue économique, et aussi la folie de se dire que et c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, c'est savoir aussi se jeter à l'eau, se dire que le moment était là pour lancer le projet. Le restaurant pour nous c'est un aspect qui nous permet de proposer à notre clientèle un point de vente qui soit nouveau en Tunisie. C'était le premier point de vente qu'on a ouvert, Femarsa, et on a voulu proposer quelque chose de nouveau, ne pas suivre les modèles existants, mais en fait surprendre les gens. Et tout à coup, on propose une boutique qui soit une boutique restaurant. Donc une boutique où on peut venir seul, accompagné à 2, à 3, à 10. Et en fait, on prend le temps de découvrir la marque en s'y posant, en découvrant les collections, autour d'un déjeuner. Il y a un petit coin de jeu pour les enfants. Les collections, des modèles. Donc on est fiers, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné. Et on a pu voir quotidiennement comment les gens s'appropriaient le concept et justement passer du restaurant à la boutique, de la boutique au restaurant. Et finalement, le meilleur des retours qu'on avait, donc il est à l'aise, donc tout le monde est content et nous les premiers. Comme tout processus créatif, plusieurs étapes. Où là, c'est un vrai travail qui est un travail d'équipe, qui en fait, la première étape, c'est de se dire, qui m'intéresse, le prêt-à-porter des collections, 2, 3, 4 collections par an. Ça commence par se dire, en fait, on a bien travaillé en définissant des thèmes de collection. La collection d'hiver et l'IFET, c'était autour des marchés, leur fraîcheur, leur couleur, leur
produits phares, etc. La collection Hadaïm de Steve Heather, c'est la médina, ou en tout cas l'architecture tunisienne. Donc une fois qu'on définit un thème, après on cherche à voir comment ce qui peut s'exprimer. Avec une première question, je tombe à les couleurs. Comment je passe d'un thème à des couleurs? Donc ces couleurs-là vont nous permettre de définir des univers au sein d'une collection, différentes catégories d'univers. L'IHUMA, ça va être un peu notre point de départ pour chercher quels sont les tissus et les matières qu'on va avoir pour les collections. C'est la recherche des tissus, c'est extrêmement long et c'est fondamental. Avec l'IHUMA, on a voulu vraiment faire une marque sur des tissus très agréables à porter, évidemment, qualité optimale, c'est beaucoup de cotonnade généralement, qu'on trouve au Fitouns ou El Barra. Donc le Barra, on passe par des salons, on passe par des fournisseurs qu'on va les sélectionner. Une fois qu'on a ces tissus, on va commencer par les voir comment ils peuvent s'adapter à nos modèles. Parce qu'en fait, dans chaque collection, on a plusieurs modèles, des hauts, des bas, des combinaisons, des accessoires, comme des chèches, voilà, des trucs comme ça. Après, on va essayer de voir comment tout ça peut se marier entre l'enfant, l'adulte, homme et femme. En fait, on a commencé avec des collections enfants uniquement, mais depuis 6 mois, on fait aussi de l'adulte, femme comme homme. Et donc voilà, en fait, du coup, entre le moment où on a commencé à chercher le thème de la saison et le moment où la collection est dessinée, il peut y avoir quasiment 6 mois. On barde entre le moment où la collection est fixée sur le papier et sa fabrication, il peut y avoir encore aussi plusieurs semaines. Donc en tout, on va dire que c'est une collection entre le moment où elle est imaginée et où elle sort en boutique, il peut y avoir 9 mois, 12 mois. Donc là, pour vous dire par exemple, on a la collection d'été qui est en boutique, on a déjà la collection d'hiver prochain qui est en production et la collection d'été prochain qui est encore à l'état de... il faut encore visser un peu tout ça, arrêter tous les modèles. On a déjà la thématique est déjà prête. Derrière l'IHUMA, il y a une vraie démarche de mettre en avant des marques et de la créativité tunisienne qui parfois n'est pas assez connue. Donc c'est de montrer à la fois aux Tunisiens eux-mêmes, qui sont souvent attirés par plutôt les marques étrangères avant tout, que pour les étrangers, sur les marchés étrangers, leur montrer qu'il existe une scène de designers, de créateurs nouvelle, qui a 3-4 ans, qui est là, qui est pleine d'idées, pleine de bonnes idées. Voilà. Donc, avec notre marque l'IHUMA, c'est ce qu'on a voulu faire sur la catégorie de produits qui est la nôtre, donc le prêt-à-porter et puis les accessoires. Mais depuis le début, on a envie de travailler sur des concepts de points de vente qui sont des vrais concept stores, au sens premier du terme. C'est des lieux où on rentre pas uniquement parce qu'on cherche un produit, mais parce qu'il y a un univers qui s'en dégage, qui nous plaît. Donc on se dit, à chaque fois que je vais revenir, je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Donc pour ces concepteurs-là, on a voulu s'entourer de créateurs plus ou moins établis, plus ou moins connus, qu'on va sélectionner en fonction de la qualité de leur travail, de l'intérêt des marques qu'ils proposent et de la complémentarité qu'elles créent avec notre marque à nous. Et donc l'idée, c'est d'avoir comme des petits comptoirs qui vendent du design tunisien. Et on a la conviction que c'est un modèle qui est super intéressant pour la Tunisie, mais aussi qu'on va, je pense, chercher à peut-être développer aussi à l'étranger. Déjà, je pense que notre relative jeunesse dans le secteur, quelque part, c'est aussi une force. Parce que, pour rebondir sur la question précédente, qu'est-ce qui fait que des gens ne se lancent pas? Je pense que souvent, on voit des problèmes partout et on finit par oublier les opportunités. En fait. Et donc, quelquefois, la jeunesse, c'est un peu la fougue de la jeunesse versus l'expérience des anciens. La fougue de la jeunesse vous fait foncer, vous dire que finalement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
ou alors vous prenez le problème et vous le tournez en un point de force. Donc voilà, ça c'était juste par rapport à la jeunesse. Après, je trouve que y a par rapport au textile en Tunisie, il y a un énorme décalage entre la réalité et puis ce qui est souvent l'image, la perception en tout cas de ce secteur. La réalité, c'est qu'en Tunisie, on a c'est une terre de textile, une vraie terre de textile. Il y a des centaines d'ateliers, enfin, c'est vraiment un secteur très dynamique. La qualité est extraordinaire, on le voit avec les produits qu'on fait. Quand on les compare avec des produits qu'on peut acheter chez des marques beaucoup plus établies, parfois on comprend que par rapport à ce qui peut être fait ailleurs, en Tunisie, on a un vrai savoir-faire. Donc je pense peut-être qu'il y a plein d'initiatives isolées et qu'il nous manque une sorte de fédération ou de syndicat. Peut-être qu'il existe, mais que les choses ne sont pas faites encore énormément pour fédérer toute cette énergie positive et ces bonnes choses et ces belles choses pour les transformer en communication. Je parle par exemple des salons internationaux auxquels on a pu participer. Souvent, malheureusement, l'image véhiculée, celle de la Tunisie, comparée à d'autres pays concurrents dans ce secteur, je pense à la Turquie, je pense au Maroc, si je reste dans le bassin méditerranéen, il y a un vrai déficit d'image. Alors que la réalité, c'est que souvent en Tunisie, sur la confection, on est bien meilleur que tous ces concurrents-là. L'autre point après, c'est que l'expérience qu'on a, c'est que ce qu'on voit, c'est que le textile tunisien est extrêmement fort sur certains produits, certaines catégories, comme le denim par exemple, et il est beaucoup moins sur d'autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas une présence sur l'ensemble de la chaîne. C'est ce qui explique aussi que parfois, les grandes marques, quand elles viennent fabriquer en Tunisie, elles amènent tout ici. Elles ramènent leurs tissus, elles ramènent leurs accessoires, etc. It's Valentine.